Dieu, viens à mon aide. Seigneur m'a sauvée.
de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a sauvé mon âme de la mort. Gardez mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des le
Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ. De la première épître de saint Pierre, apôtre. Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'anciens, car moi aussi je fais partie des anciens, je suis témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié, veillez sur lui, non par contrainte, mais de bon cœur, comme Dieu le veut, non par une misérable cupidité, mais par dévouement, sans commander en maître à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Dies iré, dies illa.
Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment. Louons le Christ, le grand prêtre, pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur et prions-le. Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit de l'Évangile. Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple. Alors intercession, purifie l'Église aujourd'hui. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple et tu les as conduits par ton esprit.
Donne ce même esprit à tous les pasteurs de ton Église. Toi, l'unique richesse des saints, ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de toi. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, ne permets pas qu'aucun défunt se perde. Tu t'es livré pour eux, sauve-les. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Seigneur Père très saint, toi qui as appelé le bienheureux Charles prêtre à imiter ton fils Jésus de Nazareth, nous t'en prions, accorde-nous par son intercession que nourris de l'Eucharistie, nous progressions chaque jour vers une charité chrétienne plus profonde et une fraternité universelle par Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons.